Coucou mes choupes-choupes, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, c'est bientôt le week-end. Bah c'est demain, ça y est, on n'a jamais été plus proche du week-end et on est quand même vachement proche de Noël maintenant, je dois dire, hein, regarde, il nous manque plus que tout ça. Ouais bon, vu comme ça, ça fait long, mais c'est bientôt. Alors, numéro 8. Purée, eh, leur truc. Ah oui, bon voilà, j'ai un petit peu... Qu'est-ce que c'est? Alors j'espère qu'on aura mieux qu'hier, hein, parce que franchement, le Dumbo Dumpabo, hein. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non mais j'ai très... Je suis un peu déception là, je dois dire, hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Dingo? Ah oui, c'est Dingo qui fait du ski. Bon, ça va. Alors attends. Parce que il a comme Mini, rappelez-vous de Mini. Il a les petites lunettes. Par contre, il a un grain de beauté, Dingo. Je sais pas si c'est normal ou si c'est juste mal cousu. Ah mais attends, mais ils nous ont fait un calendrier méga cheapos, en fait, je suis dégoûtée. Alors attends, donc il a les lunettes, d'accord. À moins que ce soit Max. C'est peut-être Max, le fils de Dingo. Et lui, il fait du snow. Comme le Cux. Le Cux, il est très snow aussi. Oui, c'est une petite apportée. C'est peut-être Max. Je pense que c'est plutôt Max que Dingo. Parce que Max, il a une petite houppette aussi. Puis il a un petit peu la bouille de Max. Ok, donc on part sur le fait que ce soit Max. Ça va, il est pas immonde. Enfin, il est pas non plus, hein. Bon, j'espère. Ça me. Hein, ça me chafouine ça. Non, parce que c'est quand même pas donné, hein. Franchement, quand on compare avec le calendrier de l'avant l'année dernière. Alors, ok, il était un peu plus cher. Mais on avait eu un gros tsum tsum à chaque fois. Là, c'est que des micros, puis bon, s'ils sont tous chiffonnés, moi ça me chiffonne aussi, hein. Bon, ouais. Celui-là, il passe. Allez, il passe. Il est mieux que Dumbo, Dumpabo, hein, franchement. Max, il passe. En plus, ça rime à peu près. On valide. Très bien. Max, tu fais partie de la famille. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. On va pas le répudier, il est là. Donc, bon. Et le manga d'Ophélia, on y est. Alors, regardez le sucre d'orge. Oui, il y a un petit sucre d'orge. Et le numéro 8, vous savez que le numéro 8, c'est mon chiffre préféré de tous les temps. Avec, regardez, petit masking tape, Merry Christmas. Ça, c'est trop classe. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a un code promo sur le site Point Manga que j'affiche ici qui vous donne droit à un poster gratuit pour chaque commande et un petit badge à mon effigie. Oui. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Parce que je devine le manga, c'est pour ça que j'en parle. Regarde. Non, parce que là, il y a de quoi. En fait, à chaque fois que c'est un manga, elle me met des indices. Donc là, il y a ado, coming out et amitié. Donc est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi non, mais vous savez que je suis une quiche en référence. Alors, qui avons-nous? Oh, ça a l'air trop mignon. Mais j'en ai entendu parler de celui-là. Oui, ça arrive. Non, mais comme quoi, même les pires ont des références. Hein. Love Story tome 1, j'ai déjà vu cette couverture, c'est sûr. Alors, voyons voir le résumé. Quand Yuji Hasegawa apprend accidentellement que son camarade de classe Yamato Yoshinaga est gay, il comprend rapidement que le regard de ce dernier est tourné vers un amour impossible. Faisant partie du même groupe de travail, les deux garçons apprennent à se connaître et à s'apprécier. Pardon, je ne cadrerai plus du tout. De son côté, Yoshinaga est terriblement sérieux dans sa réflexion sur ses sentiments et sa manière de se comporter. Le bonheur semble bien loin. Néanmoins, Hasegawa fait ce qu'il peut pour le soutenir. C'est trop mignon. J'espère, franchement, j'espère qu'ils vont pas sortir ensemble. Non mais c'est tout bête, mais je trouve ça tellement beau aussi, les belles histoires d'amitié et tout, c'est tellement touchant. Alors attendez, je vais vous montrer une des pages pour avoir une idée des dessins. C'est très joli en plus. Oh, je sens que lui, je vais beaucoup l'aimer. Oh, je sens que lui, je vais beaucoup l'aimer. Et s'il y a un petit 1, ça veut dire qu'il va y avoir une suite. Ha! Ah bah attends, on me la fait pas moi. Ah bah attends. Je suis une détective, je suis une fin limier. Et votre cadeau d'aujourd'hui, je suppose que vous êtes très curieux, n'est-ce pas? Pour aujourd'hui, c'est Coralie qu'il faut remercier, puisque c'est encore elle qui vous a fait le lot. Et oui. D'ailleurs, le colis qu'elle a fait vous a beaucoup plu. Hein. Je mets son Instagram dans la description, évidemment, quand elle fournit un lot, hein, c'est quand même la moindre des choses. Donc là, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, c'est sur Instagram. Donc, elle vous a fait une petite trousse faite main avec un petit champignon de Mario dessus. Trop chouki. Avec deux cahiers faits maison. Ça c'est pareil, je sais que ça plaira forcément, les cahiers c'est toujours utile. Bon, pour les... en fait, si vous êtes un garçon, c'est peut-être plus la trousse qui va vous plaire. Si vous êtes une fille, les petits cahiers choupi, et sinon les deux, hein, parce que moi perso j'aime les deux, donc vous, je ne sais pas. J'ai voulu la garder pour moi, j'avoue, mais voilà, je vais pas faire... En fait, en gros, tout ce qu'elle a envoyé, j'avais un petit peu envie de le garder pour moi. Je vais pas faire... Voilà, non mais c'est vrai, il faut le dire. Alors, pour la question du jour, donc je vous rappelle, pour participer, c'est un formulaire qui est dans la description, ça ne change point. Et en question du jour... En question du jour, est-ce que vous préférez les chats ou les chiens? Oui, alors ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais c'est parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir et Léo a miaulé à mes pieds. Donc je me suis dit, c'est un signe, voilà. Donc chat ou chien? Voilà, c'est une question comme une autre. Et donc le formulaire dans la description, n'oubliez pas, pour participer, c'est important. Ce n'est valable que 24 heures, donc soyez réactifs, mes amours. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo et demain matin pour un prochain calendrier de l'Avent. Je vous aime très fort. Passez une excellente journée et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.